Alors la première chose que je conseillerais à une personne qui souhaite reprendre le sport, c'est déjà de respecter son corps. Pour moi, c'est la règle d'or, écouter ses sensations. En tant que sportive de haut niveau, je sais que c'est parfois difficile. On a envie d'aller toujours plus loin, on a envie de donner de l'intensité, mais c'est important aussi d'apprendre à être à l'écoute de son corps. La deuxième chose que je lui conseillerais, ça serait d'y aller progressivement, bien sûr, pour éviter les blessures, éviter les douleurs. Et dans le meilleur des cas, si elle peut, c'est de se faire accompagner par des professionnels, que ce soit en club, dans des salles de sport ou par des coachs sportifs qui pourront justement mesurer l'effort et pas y aller trop fort de suite, peu importe le niveau qu'avait la personne auparavant, avant d'arrêter le sport. Pour finir, je conseillerais à cette personne de prendre soin de son hygiène de vie en général pour qu'elle puisse profiter au mieux de son activité physique, prendre plaisir sans avoir de petits pépins physiques. Et je veux dire aussi de ne pas hésiter à prendre des compléments alimentaires et ou de l'homéopathie pour avoir un corps dans les meilleures conditions pour la reprise physique. Et l'avantage avec l'homéopathie, c'est qu'elle est adaptée et personnalisée selon les profils, donc ça peut correspondre à toute personne.